L'impact des réseaux de communication, des terminaux et des usages sur l'environnement est un sujet d'attention croissant. Si le secteur du numérique peut aider à la décarbonation des autres secteurs, il ne peut pas pour autant s'exonérer des efforts nécessaires à la réduction de ses propres impacts sur l'environnement. Cela doit se faire sans pour autant renoncer aux possibilités d'échange et d'innovation que la technologie est susceptible d'apporter. L'ARCEP a fait de l'enjeu environnemental un nouveau chapitre de sa régulation. Dès 2020, l'ARCEP a animé des débats entre différents acteurs et experts. Cela a conduit à un rapport pour un numérique soutenable qui faisait un certain nombre de propositions. Ensuite, sur la demande du gouvernement, l'ARCEP et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ont mené une étude pour préciser l'impact environnemental du numérique en France. L'étude évalue l'impact jusqu'à aujourd'hui et propose des évaluations à l'horizon 2030 et 2050, suivant différents scénarios de politique publique. Les études d'impact environnemental, qui sont essentiellement pour savoir où nous allons, demandent des analyses en cycle de vie qui sont extrêmement exigeantes en termes de données. La collecte de ces données est devenue un axe de travail essentiel pour l'ARCEP. Dans un premier temps, nous avons collecté des données des acteurs des télécoms. Avec l'appui d'une nouvelle loi, nous élargissons la récolte de données à tous les acteurs du numérique. La mesure de l'empreinte environnementale doit aussi s'appuyer sur des référentiels de méthodologies partagées et reconnues. L'UIT, en particulier dans le secteur de la normalisation, peut, grâce à ses recommandations, venir en soutien des régulateurs qui agissent pour rendre le numérique plus soutenable pour l'environnement. Sur un autre front, nous avons animé un groupe de travail pour améliorer la norme L1450 de l'UIT. Le GSR est devenu, depuis sa création, un carrefour d'échanges incontournable. Il offre des opportunités de dialogue uniques pour les régulateurs du monde entier sur des sujets d'intérêt commun. C'est aussi l'occasion de rencontrer les instances dirigeantes de l'UIT, de même que d'autres membres du secteur.